Voici Détective Matteo, nouvelle édition 2015. Nous avons donc maintenant pour le jeu 110 cartes, réparties en plusieurs catégories. Niveau multiplication niveau 1, avec 21 cartes. Multiplication niveau 2, 30 cartes. Addition, 21 cartes. Soustraction, 21 cartes. Division, 13 cartes. Et le livret de règles. On retrouvera à chaque fois, au recto, des calculs, au verso, les résultats. La règle sera la même pour les 5 paquets. Les 5 paquets étant bien sûr indépendants. Voilà pour la présentation rapide de la gamme. Le principe du jeu est simple. On pose les cartes en pile, face multiplication, puis, après l'avoir posée au centre, on retourne une carte. Les joueurs comparent les deux cartes et il faut trouver rapidement le point commun entre les deux cartes. Ici, 35 et 7 x 5. Le joueur le plus rapide à l'avoir trouvé est la carte et on recommence avec une autre carte. Si un joueur se trompe, exemple, il annonce 4 x 8 et il n'y a pas 32, il n'a pas le droit de rejouer, il n'a pas le droit de redonner un deuxième nombre. Dès qu'un joueur a trouvé le bon nombre, en l'occurrence ici 5 x 7, il gagne la carte. Et on continue. La partie s'achève quand les cartes ont toutes été données. Le joueur ayant le plus grand nombre de cartes gagne la partie.